poursuit avec la correction de l'exercice 6, une histoire de crédit. Pour acheter l'appartement, tu souhaites souscrire un crédit de 50 000 euros à un taux de 1,65% sur 7 ans et tu paieras le reste comptant. Pour le rembourser, en incluant l'assurance, tu devras verser 660 euros par mois à la banque pendant 84 mois. On note F, la fonction qui a X mois associe le bénéfice réalisé grâce au crédit. Alors en fait, il correspond au montant de ce dernier moins la somme totale versée pour le rembourser. Première question, déterminer l'expression algébrique de F. Alors on aura donc F de X égale donc le montant du crédit, c'est-à-dire 50 000, moins la somme versée pour le rembourser, moins 860 fois x. Alors, de quel type de fonction s'agit-il? Il va falloir justifier. Alors, f de x, tu vois, c'est 50 000 moins 660x, qui est la même chose que moins 660x plus 50 000. Et là, tu reconnais bien l'expression algébrique d'une fonction linéaire avec comme coefficient directeur moins 660 et comme ordonnée à l'origine égale à 50 000. Alors, c'est une fonction affine. De coefficient directeur alpha égale moins 660 et qui a pour ordonnée à l'origine bêta égale 50 000. Alors, question 3, en déduire les valeurs suivantes. Bien, F de 0, quand on n'a pas commencé à rembourser le crédit, eh bien, on a 50 000 euros de départ. C'est ce qu'on vient d'emprunter et on n'a pas commencé à rembourser. Ensuite, F de 42, ben, on remplace X par 42. On fait donc 50 000 moins 660 fois 42, ce qui fait 22 280. Et ensuite, F de 84, on remplace x par 84, 50 000 moins 660 fois 84, et là ça fait moins 5 440. Alors justement, quel est le sens de la valeur de F84 dans notre contexte? Eh bien, après 84 mois, tu as fini de rembourser ton crédit à la banque et finalement, tu vois, ton bénéfice, il devient négatif. En fait, ça représente le coût de ton crédit. Comme il y a l'assurance et les intérêts, eh bien finalement, emprunter ces 50 000 euros à la banque t'auront coûté 5 440 euros. Donc, quel est le sens de la valeur F de 80 dans notre contexte? F de 84 représente le coût du crédit. Allez, on poursuit. Question 5, tracer la représentation graphique de f dans le repère qui suit. Alors, f est une fonction algébrique, est une fonction affine, pardon. Donc, sa représentation graphique, ce sera une droite. On connaît déjà l'ordonnée à l'origine, on a dit que c'était 50 000. Hop, donc elle va passer cette droite par le point de coordonnée 0, 50 000, c'est-à-dire ici. Et ensuite, ben, on peut se resservir des valeurs qu'on a calculées ici. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Voyons comment c'est gradué. Tac, tac, tac. Bon, on peut prendre l'image de 84, c'est moins 5 440. Alors, 81, 2, 3, 4, c'est ici. Moins 5 000. Moins 5 400. Bon, ben, ça va être en dessous, hein. C'est entre 5, moins 5 000 et moins 6 000. Allez, par là. 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant que tu as placé tes deux points, ben, tu n'as plus qu'à les relier et on obtient la droite. Voilà, ça c'est la courbe représentative de F.
Ok. Question 6. Estimé graphiquement au bout de combien de mois tu as remboursé 50 000 euros? Eh bien, quand tu as remboursé 50 000 euros, c'est que ton bénéfice est à zéro. Donc, ce que tu as déboursé, tes 660 euros par mois, eh bien, on représente ces 50 000 euros. Et donc, graphiquement, tu le vois ici. C'est quand ta fonction, elle s'annule. Et donc, après 76 mois. Donc, au bout de 76 mois, tu as remboursé les 50 000 euros. Et c'est terminé pour l'exercice.